été présentés à la presse ce vendredi 20 octobre 2023 en début des soirées dans la ville d'Igouma. Eux, ce sont des éléments du mouvement du 23 mars qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Il s'agit de Claude Tuisenge et Avugaba Soré. Devant le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de FARDC au Nord Kivu, qui les a présentés à la presse, ces hommes déclarent qu'au sein du M23, il y a des militaires rwandais en qualité de combattants et d'instructeurs. Natoka Kibumba, apatikana mu gouvernement. Ale Kibumba, iko defense ya M23, ya nikamata mubaya. Kisha ngakuya kujipote mu gouvernement. Nawambia, ale wengine bali bakia kuri, bakuye bali jipote mu gouvernement. Hakuna shida. Oui, nous travaillons avec les militaires rwandais et ce sont les insultés. Les militaires rwandais vont au combat. Je prie à ceux qui sont restés là de se rendre au gouvernement aussi. Par les biais de son porte-parole en province du Nord Kivu, l'armée congolaise lance un message à ces mouvements déclarés terroristes. Ainsi donc, le preuve sur l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, ne font que s'accumuler. Ces éléments M23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des désordres que crée le M23 dans notre zone de responsabilité, en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous lançons un message à l'endroit